Et bien salut à tous les amis, c'est Virtual, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Vous avez passé un bon petit week-end j'espère. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je dis ça, enfin bref, c'est pas très grave. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une info. Là vous êtes en train de vous poser énormément de questions. Moi-même je m'en pose, je le vois sur Facebook, sur Twitter, dans les commentaires de mes vidéos. Vous vous demandez, mais où est la mise à jour 1.16? Où est la mise à jour? Et bah sachez qu'elle n'est pas là. D'ailleurs je tiens d'abord à m'excuser auprès de vous parce que j'avais dit qu'elle sortirait bel et bien aujourd'hui et ce n'est pas le cas, donc je tenais vraiment à m'excuser. Voilà, je le fais en vidéo, j'espère que des personnes comprendront. Ceux qui ne comprennent pas, bah écoutez, je peux rien faire pour vous hein, mais voilà, je tiens vraiment à m'excuser. Je vais un peu m'expliquer tout au long de cette vidéo. Sachant que la mise à jour n'était pas sortie entre 11h et midi. Donc je m'étais déjà levé assez tôt afin de récolter un peu et beaucoup d'informations sur Twitter, sur les sites tels que Rockstar Game et le Social Club. Je n'ai absolument rien trouvé. Donc tout au long de l'après-midi et tout au long de la journée, ceux qui me suivent sur Facebook ont pu voir que j'ai vraiment donné le tout pour essayer d'avoir des informations sur la mise à jour parce que je tenais vraiment à me racheter avec la mise à jour qui n'arrivait pas, etc. Beaucoup de personnes m'ont soutenu, beaucoup de personnes m'ont insulté disant ouais tu mytho, etc. Bref, c'est pas très important, moi j'ai préféré écouter les messages de soutien. Mais j'ai un peu trifouillé, j'ai un peu contacté Rockstar sur Twitter, etc. Et des membres de Rockstar ont répondu à mes tweets. Donc d'ailleurs j'ai fait des screens et je les ai montrés sur Facebook. Des membres de Rockstar m'ont répondu. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont tout simplement répondu qu'ils n'avaient pas de nouvelles de cette mise à jour pour le moment. Donc il n'y a absolument rien qui est prévu. Après je sais pas, mensonge ou pas, mais pour le moment il n'y a absolument rien. Donc j'ai tweeté Rockstar, j'ai tweeté le Rockstar support. J'ai même demandé quand est-ce que le Liberator allait être supprimé. Et là bizarrement je n'ai reçu aucune réponse de leur part. Mais pourtant quand j'ai demandé quand est-ce que la mise à jour 1.16 allait arriver et si elle allait arriver aujourd'hui, ils m'ont tout simplement répondu pour le premier tweet qu'ils ne savaient pas et qu'ils n'étaient pas au courant des nouveautés. Et quand j'ai dit est-ce que la mise à jour aura lieu aujourd'hui, ils m'ont tout simplement remis et redirigé vers leur site. Ils n'ont pas voulu me répondre en personne, ils ont tout simplement voulu me rediriger vers des sites de Rockstar. Alors je ne sais pas si la mise à jour arrivera, mais pour le moment, comme je l'ai dit, je tiens vraiment à m'excuser. Comme je l'avais dit dans des anciennes vidéos, voilà pourquoi je ne fais pas de vidéos pour annoncer les mises à jour. Tout simplement parce qu'après, énormément de personnes sont déçues de moi, et etc. Et j'aime vraiment pas ça, donc du coup, je tiens à m'excuser en vidéo. Je ne referai plus de vidéos de ce genre. Je ferai des vidéos info, hypothèses, parce que je vois que vous aimez ça et que vous êtes beaucoup à répondre de façon très logique, comme moi. Donc du coup, je continuerai si vous aimez. Mais en ce qui concerne les mises à jour, les vidéos du genre la mise à jour arrivera tel jour, cela n'arrivera plus sur ma chaîne à moins que Rockstar l'ait annoncé directement sur leur site ou des descendants de Rockstar, des gens qui travaillent là-bas sur Twitter, etc. Mais je ne ferai plus rien, j'annoncerai plus de mise à jour avant que Rockstar ne l'ait tweeté ou tout simplement l'ait dit sur leur site. Du coup, voilà, je tenais vraiment à m'excuser, j'espère que beaucoup de personnes comprendront. La mise à jour n'est pas là ce mardi 5 août comme je l'avais prédit il y a longtemps, la semaine dernière. Alors je sais pas, je vais pas dire qu'elle va arriver la semaine prochaine, je vais pas dire qu'elle arrivera en fin de semaine ou même dans la semaine, même aujourd'hui, même demain, je vais absolument rien dire. Je vous laisse vous faire votre propre hypothèse de ce que je viens de dire. En tout cas, sachez que le Liberator n'a toujours pas été supprimé de GTA Online. Donc du coup, je me pose énormément de questions étant donné qu'ils avaient dit qu'il serait supprimé tout simplement fin juillet, on est début août. Le Liberator est toujours là. Par contre ils ont supprimé le lance-roquettes feu d'artifice. Ils ont vraiment supprimé cette arme. Ils n'ont pas, pas supprimé le mousquet. Du coup voilà, j'espère que vous comprendrez.
Je tiens encore une fois à m'excuser. Et du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu et vous aura éclairé un peu sur le sujet de la mise à jour. Partagez-la sur Facebook et Twitter afin que vos potes puissent savoir ce qui se passe avec la mise à jour, etc. Je compte vraiment sur vous. J'espère que vous comprendrez en tout cas. Et du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bien.